que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de Entre la Disney Army et moi à Disneyland Paris. C'est la première fois que je tourne, je suis super contente. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial sur les personnages Disney, comment les rencontrer, comment avoir un maximum d'interactions avec eux. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je m'excuse par avance ma Disney Army pour ces conditions un petit peu particulières. La partie que j'ai filmée dans le parc a bugué dans le sens où on m'entendait pas du tout parler, le son du parc était trop fort, donc du coup je prépare cette partie comme ça avec ma petite voix posée et on se retrouvera dans le parc après. Sur les parcs il y a différents types de personnages. Ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a plusieurs types de personnages à différencier. Il y a ceux en costume qui ne parlent pas, ce sont souvent des animaux ou des méchants Disney d'ailleurs. Ces cas-là vous pouvez avoir des mimiques, vous pouvez jouer avec eux etc, mais vous ne pourrez pas discuter avec eux. Et vous avez les face caractères, donc les personnages dont on voit le visage qui incarnent des personnages humains, principalement des princes, des princesses, des héros et des héroïnes. Pour les face caractères, vous pouvez avoir des discussions avec eux, ça va vraiment être très dynamique, vous aurez vraiment des interactions uniques avec eux. Vous avez plusieurs moyens de rencontrer des personnages, donc vous avez les parades, donc là vous allez voir des personnages, sûrement certains qui sont assez rares d'ailleurs, mais vous ne pourrez pas prendre de photos avec eux ou faire des autographes, à moins d'avoir beaucoup de chance. Il y aura peu d'interactions. Vous avez les points de photolocation et les points de rencontre permanents, je pense notamment au pavillon des princesses, mais aussi au Mickey Mouse. Vous avez aussi donc des photos locations qui sont réparties dans plusieurs points du parc. Et donc là, vous avez des horaires où vous devez voir les personnages. Vous avez aussi des sorties surprises. Donc là, je vous conseille vraiment de vous promener dans le parc pour essayer de trouver les personnages. Et ça peut vous réserver de très très belles surprises. Je pense notamment au coin à côté de Cazel Petit Train du Cirque où vous pouvez vraiment voir de beaux personnages. Aussi pour les personnages, vous pouvez en trouver au niveau des restaurants qui sont avec les personnages, donc notamment des buffets, je pense à l'auberge de Cendrillon, etc. Ou aussi des événements spéciaux. Donc vous avez Halloween, marathon à Disneyland, dont les photos m'ont d'ailleurs fait saliver parce qu'il y a des personnages rares. Les soirées d'Halloween, les brunchs aussi. Aussi, bon à savoir, vous pouvez voir des personnages dans les deux parcs, donc au parc principal de Disneyland Paris, mais aussi au Walt Disney Studios. L'avantage des Walt Disney Studios, c'est que les personnages sont plus concentrés, donc plus faciles à suivre et à enchaîner. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est si vous avez l'occasion de faire les parcs étrangers, de vraiment aller voir les personnages aussi dans ces pays-là, déjà parce que vous aurez des interactions vraiment différentes avec eux. Je pense notamment aux États-Unis où les personnages sont vraiment au top du top. Et surtout, vous aurez des personnages qu'on n'a pas chez nous. Et ça, ça vaut vraiment le coup, avec des costumes différents aussi pour les Mickey et Minnie, par exemple. Je vous mets quelques images pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Voilà pour ces tout premiers conseils pratiques. On se retrouve maintenant dans le parc pour la suite. Dans la queue, pensez à ce que vous pouvez dire aux personnages. N'oubliez pas que les face characters, vous pouvez parler avec eux, avoir des interactions vraiment uniques. Donc c'est vraiment le moment d'être original et créatif. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est avant d'aller à Disneyland, de regarder les films Disney, de retenir les passages cultes, des phrases vraiment importantes, et de les sortir au moment où vous rencontrez les personnages. Comme ça, vous avez vraiment des moments magiques et uniques avec les personnages, et même eux peuvent interagir avec vous différemment. Dans la queue, pensez aussi aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vos amis. Vous pouvez aller sur Instagram notamment et mettre des hashtags Disney, hashtags avec les noms des personnages et vous inspirer un petit peu ce qui se fait. Il y a vraiment de très bonnes idées et ça peut être vraiment intéressant. Jenny, sors. Oh, il est paresseux aujourd'hui, Jenny. Ah, ça marche. Jenny. Des personnages Disney, n'hésitez pas à choisir au maximum des vêtements Disney, des éléments qui vont... Ça recommence. Donc, quand vous rencontrez des personnages Disney, essayez au maximum d'avoir des éléments Disney sur vous, des éléments qui peuvent être dans les films, etc. pour leur permettre d'interagir au maximum avec vous. Comme moi, ce que j'ai pris aujourd'hui et que je vais vous montrer maintenant. Vous pouvez les prendre vous-même ou vous avez aussi des photographes qui sont là donc pour prendre les photos pour vous. Donc avec la carte Photopass qui est juste ici, vous pouvez télécharger les images. Il me semble que c'est 60 euros le pack à l'année. Et après vous avez photos illimitées.
Mon dernier conseil, qui est très important je pense, c'est au niveau des autographes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un support assez original comme des posters ou quoi par exemple. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est un tote bag, donc un sac avec les signatures comme vous pouvez le voir juste ici. Donc vous avez la Reine de Cœur, Alice, Blanche-Neige, Jasmine et Aladdin. Et voilà, vous pouvez le compléter au fur et à mesure de vos visites et ça rajoute une dimension un petit peu magique à la chose. Jasmine et Aladdin. J'espère que vous en allez avoir plein. Bonjour ma Disney Army, j'espère que tous ces conseils spéciaux pour les rencontres avec les personnages vous auront plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos questions pour le prochain numéro. J'espère que ça vous aura aidé pour les prochaines fois. N'hésitez pas aussi à me partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux vos images avec les personnages Disney, je suis très curieuse de savoir. À vous abonner à ma chaîne si vous appréciez ce que je fais et aux réseaux sociaux comme d'habitude. Donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Disney Army. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.